Que c'est la chair de poule. En fait, sous ta peau, tu as un petit muscle qui s'appelle l'érecteur du poil et qui se situe à la base de tous tes poils. Et bien, quand il est stimulé, il se contracte, ce qui fait se dresser le poil et créer une bosse visible sous la peau. La chair de poule, ou scientifiquement, piloréaction. Ce mini-muscle va avoir pour origine la couche papillaire du derme et il se termine sur un follicule pileux d'un poil. Et ce mécanisme de chair de poule a une origine évolutive, parce que chez les animaux, il permet d'augmenter l'isolation thermique en hiver et présente une apparence plus grande lors d'une menace pour se faire paraître plus gros. Mais chez nous, les humains, dont la pilosité est réduite, l'effet thermique n'est pas énorme, mais la réaction existe toujours. Et cette réaction naturelle du corps humain arrive après certaines stimulations, comme le froid ou l'émotion, et elle est contrôlée par le système nerveux autonome qui gère les fonctions involontaires du corps. En fait, pour simplifier, si tu as froid ou que tu ressens une émotion, le cerveau va envoyer un message au système nerveux autonome, puis c'est le système nerveux sympathique qui va envoyer un message à la base du poil et donc du petit muscle qui le fait se contracter. Et ça montre bien que notre corps est capable de traiter des informations et d'y réagir sans qu'on y pense.